Gris de gris, facile à reconnaître. Gris de gris présenté ici par le haras de Cercy où il fait la monte. De nouveau, parce que le cheval a commencé sa carrière des talons au haras de Cercy. Et puis après, il a un petit peu voyagé. Il a d'ailleurs été à Sud-Manche à Reims, hein, puisque dont on avait un représentant juste auparavant. Et c'est aujourd'hui un étalon confirmé, notamment avec ses premières générations d'AQPS. Les C, il a obtenu de grands succès. Chambard a remporté à l'âge de 3 ans le prix de cran, l'arc de triomphe des AQPS. Et puis il y a aussi cette Cabriole Mac que vous avez pu admirer dans la course de référence, bien qu'elle n'ait pas encore compris que le chemin le plus court d'un point à un autre est la ligne droite. Elle s'est attachée à zigzaguer. Mais malgré ça, figurez-vous qu'elle a remporté cette listode le jour du Grand Steeple Chase de Paris. Cabriole Mac, pour le plus grand plaisir, bien sûr, de son entourage. Un fils de Slickly. Alors Slickly, c'est une machine à faire des gagnants. Slickly, toujours aussi efficace d'ailleurs. Lui-même, excellent cheval de course. Multiple vainqueur de listode, 5 fois plein vainqueur de listode et triple gagnant de groupe. Un vrai mailer, un cheval très très dur, qui est donc revenu au haras de Cercy en 2016 à la faveur de la sortie de sa première génération d'AQPS, donc issu de la lettre C, sachant que dans les D, il y en a eu également des miels notamment, et puis aussi des purs sang, sable gris, un obstacle placé de listode à Auteuil, dans le prix François de Poussin. Il a aussi donné Clash Forez, une vedette anglo-arabe, c'est-à-dire Clash Forez, gris de gris, qui fait la monte à 3000 euros au haras de Cercy, enfin prix coopérateur, 2500 euros en 2018.